Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais découvrir le pass de combat avec vous. Mais avant toute chose, je tiens à vous demander de mettre mon code créateur SCM dans la boutique de Fortnite, donc il faut savoir que quand vous allez lancer Fortnite, ils vont vous proposer d'acheter le pass de combat. Donc faites rond et vérifiez dans boutique d'objets en appuyant sur carré si vous avez bien mis le code créateur SCM. Donc c'est vraiment ces trois lettres comme ça, SCM. Après vous faites enter et vous faites accepter. Et ensuite vous pouvez acheter le pass de combat parce que ça soutient à mort la chaîne. Et merci à tous ceux qui le soutiennent, c'est totalement gratuit. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Enfin bref, voilà, c'était ma petite, mon petit moment de pub. Donc, on commence avec le pass de combat qui nous offre Agent Jones. Donc voilà, c'est le skin qu'on voit dans le trailer. Donc voilà, il est assez cool. Moi, je le trouve assez bien. Ben, je me le suis déjà équipé, j'ai pas encore joué hein, pour l'instant, mais je vais aller tester ça après. Hein. Regardez-moi ça. Après, c'est un skin assez basique, quoi. Enfin bref. Alors, ensuite, nous avons une icône de bannière. Ouais. Nous avons un aérosol. Ouais. Je suis pas trop fan de tout ça, moi. V-Buck, ok. Alors, écran de chargement. Ça va, il est stylé. Avec Jonesy. Enfin, Agent Jones. Alors, une petite émoticône. Jones, oui. Coup de balai. Une nouvelle émote. Ouais, pourquoi pas. Nettoie son bureau. Une musique après zéro. Ça, de toute façon, les musiques, je vous les poster sur ma chaîne YouTube, de toute façon. Alors, compte à rebours lancé, donc un écran de chargement, ok. À la fin de la présentation, je noterai combien sur 10 je donne le pass. Alors, un sac à dos essentiel de survie, ok. Ah, une petite émoticône de Lara Croft. Alors ça, franchement, rien que pour le skin Lara Croft, qui est juste un peu plus loin. L'aérosol, les yeux sur la cible. Le sac à dos, paquetage de Jones. Ok, le sac à dos de Jones. Alors, il y a des quêtes avec, accomplir des quêtes pour déverrouiller instantanément la mission de l'agent Jones pour sauver la réalité. Ok, c'est pas mal. Donc, quand on débloquera ce sac à dos, on aura des quêtes. Ok. Alors, ici, le skin Lara Croft. Enfin, le Tomb Raider, quoi. Attends. C'est quoi, il l'appelle comment? Ouais, Lara Croft. Assez stylé. Est-ce que je peux la voir? Voilà, comme ça. Ouais, franchement, elle est stylée. Hein, elle est stylée. Donc ça, je valide. Franchement, moi, j'adore les skins femmes. Et en plus, Lara Croft, c'est pas n'importe qui. Donc, je suis content. Alors, piolet à levier, donc des outils de collecte. Bah, c'est les outils de Lara Croft, justement. Alors, traînée de fumée, flamme. De spéléologue, ok. À chaque fois, je fais ça sans faire exprès. On vient juste tourner le truc, ok. Donc ça aussi, ça vient de Lara Croft. Alors, manœuvre d'esquive. Lara Croft, vas-y, montre-moi ça. Je veux voir. Ah, on peut pas la jouer. On peut pas la jouer. Bon, apparemment, il fait un salto en arrière, quoi. Ok. Alors, sans mes bugs, le parachute de Lara Croft. Ouais, bon, il est pas ouf, mais voilà, c'est survie, hein. Voilà, c'est Lara Croft. Icône de bannière, une variante du skin Lara Croft, donc 25e anniversaire. Oh là là, regardez-moi avec ses deux guns oh, et son t-shirt. Son t-shirt. Trop stylé, trop stylé. Alors, trop sexy. Alors, revêtement, charge jurassique. Ensemble pieuse osseuse, ok. Aérosol chasseur primitif. Émoticône cri du crâne. Une pioche tyrachinosaure, ok. Ok. Assez spécial, hein. Assez spécial. Sans V-Buck. Oh. Encore. Le sac à dos. Donc bande de 15. Et l'autre c'était quoi là? Bande de 15. Ok. Mais c'est le... Ah non, c'est pas le même.
Ok, celui-là il est plus. Il a déjà vécu quoi, il a l'air d'avoir plus vécu. Ok. Une variante du sac à dos, donc il y aura aussi une quête à réaliser. Je ne sais pas trop pourquoi, enfin j'ai pas trop bien compris. Pour déverrouiller instantanément. Attends, pour déverrouiller instantanément de la mission de l'agence pour. Ouais, pour sauver la réalité de. Ouais, ok. Je ne sais pas trop ce que ça va nous donner. Alors, Tarana. Ouais, elle est plutôt pas mal. Hein. J'aime vraiment bien. Alors ensuite, nous avons le planeur patrouilleur osseux, qui est très spécial. Bon, en même temps, on est dans un thème primitif. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous mettent plein de trucs primitifs. Donc, une icône de bannière, une émote spectacle de cartes. Voilà, qu'est-ce que... Oh. GG. Ok. Alors, écran de chargement, stylé. Dino planche. Ok, skateboard dino planche. Ok. 120 bucks. Une traînée de fumée, plume de dino. D'accord. Alors, ensuite, le skin. Une autre variante du skin Tarana. Ouais, je l'aime un peu moins. Mais ça va. Alors, il y a un truc qui va pas trop, hein. C'est primitif et regarde un peu, elle a les. Toute sa tenue, elle est genre primitif quoi. Des cavernes quoi. Et regarde un peu moi ces baskets là. C'est pas de la même époque mon pote. Hein. Enfin bref. Outil de collecte hache cristalline des maîtres. Ok. Ça va, stylé. En plus, t'as vu, c'est un peu. Avec le cube et tout, les hiéroglyphes, je crois que ça se dit comme ça, du cube. La couleur du cube, ok. Alors, un revêtement fléau d'acolyte. Pareil, hein, un peu à l'aspect du cube. Alors, une aérosol maître des glyphes. 100 V-Bucks. Une musique que je vous mettrai sur ma chaîne YouTube. Icône de bannière. Un écran de chargement. Un planeur L cryptique. Ok, encore avec les cubes, les hiéroglyphes du cube. Ok, ok. Alors, parchemin infini. Ok. Ah, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt bien, franchement. Stylé. Faut voir avec quel skin. Mais il a l'air stylé. Alors, 120 bucks. La traînée de fumée feu chromatique. Oh, elle est vraiment classe. Elle est vraiment belle. Alors ensuite, paquetage de Jones Bond 31. Ok, il a une chaussure en plus ou je rêve? Ouais. Oh. Oh. Raz. Oh, on dirait un dieu égyptien. Ouais, il est stylé quand même celui-là. Oh. Il a le masque et tout. Waouh. J'adore les skins meufs, mais j'aime bien aussi les skins mecs comme ça, là. Franchement. Agent Jones. Et lui, il n'y a pas photo, moi je préfère Raz. Hein. Alors, émoticône, c'est étrange. Ouais, les émoticônes, tout ça, c'est pas trop mon dada. Alors, posture onirique. Une émote. Ouais. Les symboles changés ou pas? Ouais, ça change. Ok, stylé. Alors ensuite, traîner arc plasmique. On dirait un peu une météorite qui tombe. Alors, écran de chargement. L'aile et la cuisse. Lol. Plutôt pas mal. Sac à dos. Ah, la coque. Ouais, ouais. Bon, bah, ça, c'est pas trop mon style. Icône de manière. 100 V-Bucks. Œuf flottant. Œuf flottant, ok. Un planeur œuf flottant. Ok, pas trop mon style, mais pourquoi pas. Paquetage de Jones. Bond 42. Non, il avait déjà la chaussure. Ouais, non. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement ça. Les sacs à dos, mais. Peut-être que c'est un sac à dos qui va évoluer ou je ne sais pas, mais franchement, ça a l'air un peu bizarre. Enfin bref. Alors, le nouveau skin, Piu Piu. Là, on est déjà à 4 skins. Hein. On est déjà à 4 skins, les mecs. Hein. Donc, Piu Piu, ensemble, en œuf explosif. Ok. Alors, c'est pas du tout même mon style. Mais bon, ça peut peut-être plaire à quelques-uns. Alors, beatboxing. Yeah! Ouais, c'est stylé. En plus, il accélère et tout, pas mal. Quickly Vénère, un aérosol.
une petite collecte. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être bien. Ça peut être bien frappé avec des pilons de poulet, des cuisses de poulet. Ça peut être pas mal. Alors une émoticône, un petit cuicui, j'en fous. Un revêtement petit poussin, ouais, bien sûr rose, je vais pas du tout le mettre, ok, c'est pas grave. Alors, de toute façon, il en faut pour tous les goûts, hein. Sac à la coque, mais style bleu vajon, ok, assez spécial, ouh, très étrange. Ok, 120 bucks. Style piou piou, bleu vajon, bleu vagesque. Déjà, il est déjà un peu plus badass comme ça. Hein, je le sens un peu plus militaire comme ça. Ça fonctionne mieux avec le délire, avec mon délire. Alors, une musique que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Un aérosol Phi de Trigon. Ok, ça me fait penser un peu à une série, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bref. Rapace spirituel. Ouais, il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal. 100 V-Bucks. Émoticône pouvoir d'Azarat. Éclosion 0. Wow. Il est beau. Franchement, il est classe. Il est classe le camouflage là. Enfin, le revêtement. Je valide. Je valide. Attention. Oh, il est vraiment stylé. Hein. Je me demande s'il réagit quand on tire. Il y a des chances. Oui, il a une. Enfin, je ne sais pas. Alors, encore un sac à dos. Mais j'ai l'impression que. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de casque avant. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se rajoute à chaque fois. Hein. À chaque fois, il y a un petit truc qui se rajoute sur le sac à dos. Donc, Bone 88, ok. Ça explique un peu l'histoire, peut-être, de comment ils sauvent la réalité. C'était des petits secrets. Alors, la tenue Rebirth Raven, donc c'est le cinquième skin, si je ne me trompe pas. Cinquième skin, ouais, il est plutôt pas mal. Après, ouais, ça va. Outil de collecte, forme H, Tréval. Ouais, c'est stylé quand même, ça. C'est stylé. Je l'aurais bien aimé en double pioche. Une seule pioche, j'aime pas trop quand il fait gauche, droite, j'aime bien quand il fait avec les deux pioches, je préfère, c'est plus stylé. Mais ouais, ça va, c'est pas mal. 100 V-Bucks, colère de Raven, ouais. Icône de bannière, qu'est-ce que c'est ça? Portail interdimensionnel. Ouais, oh, il est tout plat, ouais, c'est stylé quand même. Oh ouais, gratuit en plus, enfin gratuit ça coûte, enfin, c'est le truc du pass quoi, mais voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Émote, hasard, Mitrion, Zintos. Ouais, pourquoi pas. 100 V-Bucks, une variante de Raven. Ouais, oh. Ah, ça lui irait bien. Le, justement, son sac à dos là. Ce serait stylé. Alors, pulsation de la flèche. C'est un revêtement, un camouflage, ouais. Ouais, il est plutôt pas mal, ouais. Il est un peu animé, réactif, hein, il est réactif, ok. Ça, c'est cool, donc quand tu tires, ça réagit. Alors, écran de chargement dans l'ombre de la flèche, ouais. Super beau l'écran. Super beau l'écran de chargement, ok. Icône de bannière. Planeur, feu de la flèche. What? Mais genre, ça remplace le sac à dos, alors? C'est stylé quand même. Mais si on a un sac à dos, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se superposer dessus. C'est un peu chelou. On a testé, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Émoticône banana. Bananon plutôt, excusez-moi. Mais il veut pas la faire. Ok. Ah voilà. Ok. Alors, aérosol, pif. Paf. Pouf. Oufti. Stylé, stylé. Cartoon Network ou quoi? Alors, 100 V-Bucks. Accessoire de dos. Guide spirituel. Waouh. Ah, c'est what the fuck. Hein. Très même what the fuck. Guide spirituel. Ça fait froid dans le dos. Alors, électro-émanation. Électro-émanation. La traînée de fumée. Ouais, plutôt. Ouais, ça va. On en a déjà eu des comme ça. Hein. Aérosol maîtresse de la flèche. Ok. Outil de collecte flamme de la flèche. Ouais, ça va. Icône ben, de bannière. Une émoticône esprit de la flèche. What? Ah, d'accord. Je me dis, c'est pas du tout le même émoticône que sur le truc, mais en fait, si, il change. C'est comme ça, puis après, boum, il se transforme. Okay. Alors, 100 V-Bucks. Et ça, le dernier assassin de la flèche. Donc, ça veut dire qu'il y en a
6 skins dans le pass de combat alors. On a 6 skins. Ouais, c'est stylé ça, 6 skins quand même, c'est pas mal. Hein. Et le skin là en question, bah, il est assez spécial, hein. Je vais pas vous mentir. Attends, c'est de l'ensemble ombre de la flèche. Assez spécial. Ouais, ça fait quoi ça? Ah, c'est l'émote. What the fuck? Ouais, pourquoi pas. Sans son masque, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah ouais, ici, on aura accomplir des quêtes de niveau épique. Il faudra en accomplir 6 pour débloquer cette émote. Ensuite, nous pourrons débloquer cette émoticône. Attends, ça c'est une icône de manière, excusez-moi. Ici, c'est l'aérosol. Alors, une émote et pouf. Et le pouf de banana. De banane. Excellent. Un style de Lara Croft classique, genre PS1. What the fuck? Il est pas ouf, mais pourquoi pas. C'est stylé quand même. Alors, un style de Tarana. Bien coloré cette fois-ci. Ouais, ça va. Alors, un style de Piu Piu Explosif. Ouais, mais je préfère quand même en bleu. Mais il est bien aussi. Il est mieux que la première variante. Alors elle me fait trop penser à une méchante dans une série Netflix, mais j'arrive pas à revenir sur le nom. Mais ouais, pourquoi pas. Alors ici, ce sera disponible dans 43 jours. 43 jours. Ah, regardez, outil de collecte, écran de chargement, Neymar. Donc vous avez Neymar dans le pass de combat, les mecs. Mais il faudra acheter le pass de combat. Mais vous l'aurez gratuitement dans le pass de combat. Neymar Junior, bientôt révélé. Et il faudra tout simplement accomplir une quête pour le débloquer. Donc c'est le skin secret du pass de combat de la saison 6 de Fortnite. Okay. Ici nous avons une bannière. Là encore une bannière. Et ici nous avons un style. Donc à mon avis, ce style là, c'est sûrement un style de Neymar. Mais sans certitude. Mais il y a des chances. Alors ici, nous avons encore plus de choses apparemment. Aérosol, émoticône, émote, planeur et encore un autre style de Neymar, tu crois? Ou alors un autre skin? Je ne sais pas du tout. C'est possible que ce soit... Attends, il y a deux variantes, je ne sais pas du tout. Franchement, enfin, je pense que ce seraient les deux variantes des deux skins. Donc genre une variante de skin Genesis et une variante de skin... Attends, je ne sais plus maintenant. Peut-être celui-là, voilà. Peut-être celui-là. Une autre variante de ce skin-là. Le skin assassin de la flèche. Et gardienne de la tour. Ouais, je pense qu'on aura une variante de Neymar. Non, de Genesis. Donc ça, c'est Neymar. Ça, on va dire, c'est la chasseur de l'esprit, je ne sais pas quoi, là. Gardienne de l'esprit. Et là, ce serait... une variante du skin Jonesy, enfin Agent Jones. Donc voilà, je pense que ça devrait être comme ça. Je pense pas qu'il y aurait une variante de Neymar. Déjà, le skin de Neymar sur Fortnite gratuitement, c'est déjà bien. Enfin, pour le pass de combat, quoi. Donc je pense qu'ils vont pas faire plus. Enfin bref, je noterai le pass de combat. Allez, un petit 7 ou un petit 8. Franchement, un petit 7 ou un petit 8. Mais voilà. J'aime bien 2-3 skins. J'aime bien. Il y a un revêtement, il est vraiment ouf. J'aime bien traîner de fumée. Ah, ouais, c'est vrai, il y a ces skins là aussi. Ouais, c'est possible que. Ouais, c'est possible. Attends. C'est possible qu'alors. Dans les trucs épiques. Enfin, cachés. On ait. Une variante de ce skin là. Alors, le skin mec. De Raz. Ouais, il y a des chances, hein, il y a des chances, parce qu'ici on a les 4 variantes. Donc ce serait John Jonesy, enfin, Agent Jones et Raz. Je ne sais pas. Mais ouais, je donnerai un petit 7, un petit 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, du pass de combat dans l'espace des commentaires. Ah, et n'oubliez surtout pas de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir, les potos. Merci à tous du soutien que vous m'apportez, c'est juste insane. Je vous en remercierai jamais assez. Et franchement, mon skin préféré, c'est elle. Et je pense que je vais l'utiliser dès que je vais le débloquer, pas les 15, je vais l'utiliser. Et avec la variante, le revêtement de l'arme qui est tout stylé. Du point 0, je ne sais plus où il est. Putain, il est où quand même, hein? Il est où, hein? Ah merde, je l'ai passé en fait, je crois. Ah non, il est là.
Éclosion 0. Voilà, ce camouflage est vraiment trop stylé. Voilà. Celui-là, je vais l'utiliser dès que je l'ai débloqué. Mais je l'ai débloqué pas du tout 75, wesh. C'est un peu long. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. Enfin, petite, quand même un peu longue. Ça fait 20 minutes. Donc, désolé pour la longueur, mais bon, c'est pas grave. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sans Cool Mec et ciao. Peace.